très bien, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, on est à Coney Island, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout au sud de New York. C'est une zone avec une grande plage et une zone un petit peu parc d'attractions comme vous pouvez le voir, avec des grandes roues, des manèges, des jeux en tout genre, des restos. Donc la plage est juste derrière nous, mais on a préféré vous faire un petit plan avec la grande roue qu'on trouvait plus sympathique, puisque la mer, devant la mer, il y a beaucoup de monde. Et là, on a un plan un peu plus dégagé, donc on trouve ça plus sympa. On va vous ouvrir un bel objet que j'ai acheté chez Troll & Tot, que j'ai reçu il y a très longtemps, mais on voulait vous le garder pour vous l'ouvrir dans un endroit un peu spécifique pour vous faire découvrir New York. Il s'agit du coffret OO Break. Donc c'est un coffret que je trouve vraiment très très beau, j'ai vraiment hésité à l'ouvrir parce que je collectionne tous les objets de OO puisque je suis grande fan de OO. Et j'ai hésité à vous ouvrir cet objet, mais bon, vous voyez, il y a 4 promos dedans, donc je préfère compléter mes promos plutôt que de garder l'objet scellé. Donc du coup on va s'ouvrir ça, je vais vous montrer les promos et on va s'ouvrir les boosters. Donc je vous montre de plus près les promos. Donc il y a celle de Kulbutoke, c'est la XY150, donc Kulbutoke Turbo qui tape un peu la cruse dans le coffret OO et Logia quand même, je trouve. Ensuite on a le OO Turbo qui est très très beau, la XY154. Donc je sais pas du tout si ce coffret sortira en France, hein. Donc j'ai préféré l'acheter en anglais plutôt que de passer à côté. Lugia en XY156. Et bien sûr la carte du OO en XY153. On n'oublie pas la Jumbo énorme qui reprend donc le OO Turbo. Je ne collectionne pas les Jumbo, mais bon, là c'est celle de OO, alors je vais la garder. Et au niveau des boosters, on a donc un Origine Antique, je crois que c'est un Friction Turbo, Rupture Turbo et deux Impact des Destins. Donc on va les ouvrir dans l'ordre. Je crois que c'est ça l'ordre de sortie, je confonds les deux là. On va les ouvrir comme ça. Donc on commence par le booster. Donc bien sûr c'est de l'anglais, hein. Pour le moment ce coffret n'est pas sorti en France, donc je ne sais pas s'il va sortir, donc c'est de l'anglais. Alors, ma reste. Terral, Mimigal, Magica, Gumi, c'est Mucuscule, Untrainer, Energy Flash, Happy Ren, un Ortine en reverse et on commence avec un Régis en rare. Ensuite on continue avec le booster Mega Mewtwo. Bébé, Sablette, Osley qui est à la fête foraine, Sonistrel, Cité Parallèle, Granbull, Spectrum, Lien Spirituel de Mewtwo et Etouraptor en rare. Ensuite on continue avec le booster Mega Scizaiox. J'espère que vous appréciez le cadre et qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a pas mal de musique un petit peu partout. Allez, Tritonde, Quanton, Chaglam, Fluffetin, Bixi, Simularbre, je fais un bisou au prof Chen. Une énergie splash et les câbles. En reverse, on aura Monorpal et on finit avec un crapustule en rare qui est pas beau. Allez, on continue avec le booster Mega Alakazam sur du Impact des Destins. Donc là, si on pouvait choper un petit Regirock ou un petit Zygarde, ça serait vraiment cool. Ou Alakazam, ça aussi, ça serait cool. I don't have a break.
1, 2, 3, 1, 2. Et on commence avec Otaria, Doudouvet, Riolu, Vostourneau, Smogo, Smogogo, Ruta Libre, La Tour du Chaos, Un Rêveur Son Aura, Chuchemur et ah voilà, ça c'est bien. Un méga à la Kazam. Bon, ça c'est cool parce que c'est un deck que j'ai envie de jouer étant donné que Elec Sprint est sorti du. Enfin on va sortir très bientôt du format. Je me cherche un deck de remplacement et j'étais tentée par la Kazam mais malheureusement en anglais on n'avait rien pour le moment. Donc c'est la première, donc ça c'est vraiment très bien. Dernier booster, méga à la Kazam. Je pense qu'on pourra difficilement faire mieux. Hein. Ah bah on recommence avec Otaria, Archéomir, Doudouvet, Chuniti, Ambrilex, Karatroc, Spécialité de Fillette, Smogogo, Un Rêveur Son Aura, Un Chuchemur et on termine cette ouverture avec un Kabutops sans rare. Bon bah écoutez c'était pas mal, hein. Méga à la Kazam en ex, moi ça me va, hein. C'est une carte qui est plutôt demandée. Je vous la remonte. Donc voilà, c'est très bien. Je suis très contente. J'espère que vous aurez apprécié ce coffret et toutes ces belles promos, que ça vous aura donné envie de l'acheter. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça sortira en France, donc n'hésitez pas. Les promos sont vraiment très très belles. Je vous les remontre. J'espère que ce cadre vous aura plu et que cette ouverture vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !